Bonjour, je m'appelle Baptiste Véziès. Je suis salarié de l'atelier technologique du lycée Beauregard. Alors, je suis technicien agroalimentaire. J'ai eu un bac économique et social. J'ai continué sur une licence en droit. J'ai fait un an de gestion de patrimoine. J'ai eu l'opportunité de travailler ici, à l'atelier. Ça m'a permis de rester sur le territoire et également d'avoir aussi à côté une auto-entreprise. Donc j'ai été formé en interne à l'atelier. J'ai réussi à m'adapter très rapidement. Alors les tâches que j'effectue au quotidien, alors elles sont très variées. Alors bon, dans un premier temps, c'est la fabrication à l'atelier, charcuterie, foie gras, etc. J'accompagne également des jeunes élèves qui sont en stage. Après, je fais autant l'informatique, la traçabilité. Alors je fais également aussi les marchés à l'extérieur, donc je fais aussi un peu d'office de commercial, on va dire. Pour l'atelier. Alors on fait des marchés dans toute la France, à Paris, Montpellier, Toulouse. Après le métier est quand même assez varié, donc moi j'aime un peu faire de tout. Il n'y a pas que, on ne fait pas que de la fabrication ou que de la pédagogie, on fait un ensemble de tâches qui est très varié. Après les points plus compliqué pour moi au début, ça a été m'adapter, j'ai réussi. Après, ça a été peut-être le côté pédagogique avec les élèves, mais je me suis très vite pris au jeu. Donc, tout s'est bien passé. Je m'appelle Patrick Peset, je suis maintenant directeur de l'atelier technologique du lycée agricole de Beauregard. C'est une particularité du ministère de l'Agriculture, donc c'est que les ateliers technologiques ou des exploitations agricoles sont au sein de l'EPL, donc de l'établissement public local, qui est composé de plusieurs structures, lycées, exploitations, centres de formation. Et nous, on a la particularité d'être avec des personnels de droit privé. Ici, tout confondu, c'est à peu près 40 tonnes de produits transformés entre les produits frais, les plats cuisinés, les conserves et les produits secs. Le produit phare, donc, c'est le foie gras. Donc, on a été plusieurs fois médaillé au concours départemental et on a même été médaillé pour notre foie gras à Paris au Salon d'Agriculture. On a, une fausse image de l'agroalimentaire. En tout cas, c'est une image déformée. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler en fromagerie, en alimentation pour bétail, dans des entreprises de biscuiterie. Voilà, tout ça, c'est de l'agroalimentaire. Et même ici, où on est sur du secteur viande, c'est ni plus ni moins de la fabrication comme on peut le faire à la maison tous les jours. L'avantage quand même dans l'agroalimentaire, notamment local, c'est qu'il y a beaucoup de structures comme nous, de petites entreprises, et donc les gens, ils ont des métiers variés. Être capable de faire plusieurs métiers, je dirais, en un métier, quoi. On peut rester dans notre territoire. Moi, c'est peut-être sur ça que j'aimerais appuyer. C'est qu'on a des entreprises locales, petites, moyennes, grandes. On a le choix, voilà. Il y a des gens qui préféreront des tâches plus répétitives avec un métier plus structuré, ça existe, on a des entreprises pour ça. Il y a des gens qui préféreront des entreprises un peu comme la nôtre, où c'est un peu plus d'inconnu dans la journée, mais du coup c'est pas répétitif. Mais en tout cas, il y a des postes, on a besoin de gens. Je trouve que c'est important d'avoir des métiers où on peut rester si on désire rester. Des métiers en plus évolutifs.